réflexion, sa pensée lui disait « Retire-toi, as-tu déjà oublié la défense qui t'a été faite ?» Mais il ne pouvait s'empêcher de s'avancer. Toi, tu as l'air bien renseigné. Je m'intéresse aussi à la politique, tu le sais bien. Dans ce cas, vive Staline. Rien ne prouve que l'URSS... Ne nous disputons pas là-dessus. Et vous, mon général, qu'en pensez-vous? En passant par Berlin. Quoi? Qui t'a dit ça? La révolution mondiale est pour le moment... Priglouchana. Tu ne me crois toujours pas, mais laisse-moi t'expliquer enfin. Reste ici. Si c'est pour dire des âneries. Je dis ce que je pense. Bertrand, réponds-moi, tu ne trouves pas qu'elle la ramène un peu? Non, pas du tout. Tu me l'as dit, du moins tu le penses. T'es fou? Allons, quoi? Non. Pourquoi? C'est évident. L'évidence n'a pas cours. Le débat est clos, sentence exécutoire. Aïe, aïe, tu es fou, Bertrand, Bertrand, aïe, aïe. Chevalier. Ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt. Allez. Oui. Si ta vie est longue, il n'y aura partout le monde nul meilleur chevalier que toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Avec un mari très pris par ses affaires, je serai beaucoup plus libre de faire ce que je veux, la journée et même le soir. Et pourtant, c'est parfois dans les moments inconfortables que se prennent des décisions capitales. Qui vous parle de mariage? De gré ou de force, il sera mon mari. Heimliches, geflüstertes. Ich will nichts wissen! Schließlich kann man nicht eine Frau retten und sie gleichzeitig missbrauchen. L'espace au ciel et à la ligne d'horizon. Soyons-le jusqu'au bout. Allons à l'hôtel. Tout cela fait des histoires, tantôt rose, tantôt noire, sur le pavé de Paris. Tantôt l'on pleure, tantôt l'on rit, tantôt l'on rit. Ça m'a pas empêché d'avoir 16 au bac, je sais. Je peux m'asseoir près de vous? Oui. Je peux vous prendre la main? Oui. Je peux vous embrasser? Oui. Tout en étant chef de bureau, comptable ou informaticien, plus besoin d'aller au boulot. Avec la voiture ou le train, nous serons toujours en vacances, tout en produisant de l'abondance. Quelle chance! On peut déplorer dans le film de Lumière, dans les deux versions du film de Lumière, puisqu'il y en a deux, l'absence de ce découpage. Particulièrement. Et pourquoi? Parce que tu as été malheureuse d'une façon très injuste et que tu es capable de sacrifier tout, ta vie, ton bonheur à un amour qui n'est même pas présent. Mais faut pas pleurer. J'ai encore deux jours.
salope sans morale. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ta morale que je suivrai. Jamais des trucs comme ça! Il est vraiment tordu cet Octave. Je ne sais rien de toi, tu es opaque comme un mur. Tu vas tout de suite que je te vois plus! Ça ne regarde que moi! Écoute, finalement, je suis libre. Eric Rohmer has surpassed himself with a story so lovingly told, with humor and good cheer. October Films proudly presents a story of romance rekindled that proves love is never too late to harvest. Eric Rohmer's Autumn Tale. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas le loup, je vais pas la manger. Peut-être est-il dangereux, mais j'ai toujours la fascination du danger. Je veux le rendre très, très, très amoureux. Vous êtes attirés l'une et l'autre que par des types qui se foutent de vous. Petit vieux, tu te couvres. Si c'est pas l'une, ce sera l'autre. J'aimerais bien que tu aies à choisir, ça te ferait les pieds. Je te parie que j'aurais même pas à choisir. Il faut que j'aille au bout du monde pour savoir si le verre comme sont les deux seuls mecs à peu près baisables ici, cherche ailleurs, le monde est vaste. Je te trouve très jolie. Pas aussi jolie que Léa. Les amis de mes amis, c'est sacré pour moi aussi. Vraiment pas passé au bureau? Oh non, pourquoi faire? Je sais pas. Non, j'ai mieux rentré. Je crois que j'ai un train dans 2 minutes. Je vais me rendre. Ok? D'accord. Bon, chérie. Tout à l'heure. Je rentre au bureau. Qu'est-ce qu'il prend? Je vais t'expliquer. Mais écoute, je t'assure, tu perds ton temps et je perds mon temps. Alors arrête. Bon, il vaut mieux. Arrête. Tu trouves que nous ne formons pas un couple très assorti? Allez, je te vends la mèche. Voilà. C'est fini avec Laura. Bon, tu l'as dit, alors... Alors, avec Laura, c'est fini. Claire, par exemple. Je pensais bien que je n'allais pas leur parler. J'en sais rien. Non, en fait, je crois pas qu'ils nous aient repérés. J'espère bien. Sinon, votre patron vous viserait voir. Quoi? Le patron de votre boîte, votre agence. Je peux bien vous le dire maintenant. Je vous ai menti. Je ne suis pas détective. Je m'en doute. C'est votre truc pour draguer les filles. Sinon, je vous aurais pas embêté comme ça. Bien sûr que tu vas garder mes scouts. Je suis toute seule en vacances. Il faut trouver un bon, le meilleur. Écoute, je sais pas. Cherbourg, c'était un peu... C'était bien, hein, mais je suis rentrée, ouais, voilà. Je suis partie, je suis revenue, je suis repartie, et je suis revenue. Et je me sens un peu nulle, parce que maintenant je me trouve comme une idiote à Paris, tu vois. Je suis un temps sinistre. J'ai aucune envie de votre café. Et ça durera ce que ça durera. Et maintenant, t'achètes pas filé, hein. Sinon... Non mais il est complètement taré, qu'est-ce que c'est que ce mec? Allez, tu viens, on s'en va. Ça suffit. Écoute, t'aurais pas 4 francs 30, ça me gêne de... Non, j'ai pas 4 francs 30, il est pas là, allez vite. Bah écoute, attends un peu, Il est marié. Ah oui. Écoute, Françoise, tu sais combien je te respecte et respecte ta liberté si tu ne m'aimes pas. Mais si tu... Non, je veux dire, si tu n'es pas sûre de m'aimer. Mais si je t'aime, c'est toi que j'aime. Et lui? Alors c'est vrai. Je dois vous faire marcher. De toute façon, vous ne saurez rien. C'est donc qu'il y a quelque chose. Oui, si ça peut vous faire plaisir.